9h à Kouralé, même heure à Dikouroni-Koura. Le journal Fatoumata Kone. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. La communauté musulmane a fêté hier soir la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prière et invocation pour la paix et la cohésion sociale étaient les faits marquants de cette célébration. Alors, quelle est la symbolique du Mauloud? La réponse avec Ardu Matina en début de journal. Tous pour un, une seule santé pour tous, c'est sous ce thème qu'est célébrée la Journée mondiale de lutte contre la rage. Occasion pour le département de l'élevage de lancer des messages de sensibilisation sur l'importance de la vaccination des chiens contre la rage. Actualité internationale, direction le Gabon pour parler de la grande mobilisation des autorités en place en vue du dialogue national qu'elle compte organiser entre avril et juin. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Abdulkarim Kaba. Il nous parlera de trois disciplines, à savoir le handball, le basketball, le football. En foot féminin éliminatoire de la CAN Maroc 2024, les Aigles d'Âmes affronteront la Guinée pour le second et dernier tour. La chronique judiciaire focus sur l'huissier de justice, son rôle et sa mission dans l'arsenal judiciaire. C'est en fin d'édition avec Bemba Sivi. Voilà pour le sommaire, les détails à suivre. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Célébration de la fête du Mauloud, une fête qui marque la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Hier soir, c'était les prières et invocations dans certaines mosquées et places publiques à Bamako et à l'intérieur du pays. Un moment de grande spiritualité qui a permis également aux fidèles musulmans de prier pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Quelle est la symbolique et le mérite de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui? Élément de réponse avec Arthur Matina. Le Mauloud est une fête musulmane. Elle célèbre la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. À la différence des fêtes de Tabaski et de Ramadan, le Mauloud n'est pas déterminé dans le temps. Il revient à chaque fidèle de fêter à sa manière. L'une des raisons de cette fête de réjouissance est de perpétuer la mémoire du prophète. Mokadam Tidjane Amadou Tall, islamologue, membre du Haut Conseil islamique du Mali. C'est l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Depuis le 12e siècle, les musulmans ont commencé à commémorer cette date de naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Célébré depuis plus de 600 ans, cet événement religieux est l'occasion pour les fidèles d'invoquer Allah, notre Créateur, et de rendre un vibrant hommage à son prophète. Les mérites du Mauloud sont d'autant plus importants et significatifs qu'ils donnent le pouvoir à l'islam, créent la solidarité entre les musulmans qui renouvellent ainsi leur foi en Dieu. La fête du Mauloud permet aux fidèles de s'imprégner des bienfaits du prophète, son parcours ainsi que ses miracles. Le Mauloud n'est pas une réjouissance simple, c'est-à-dire c'est une occasion où on enseigne la vie du prophète. Le Mauloud permet également aux musulmans d'apprendre sur le comportement du prophète. Comment le prophète se comportait, toute la vie du prophète en fait qui constitue des enseignements pour les musulmans. Donc ce n'est pas une date ordinaire comme les autres dates. La célébration du Mauloud a évolué. Au fil des ans, elle est devenue un rendez-vous incontournable dans l'agenda des fêtes musulmanes dans notre pays. Ainsi, cette grande mobilisation autour de l'événement a amené les autorités d'alors à décréter le Mauloud comme jour chômé et payé, un acte de respect et de considération envers la religion musulmane. Mokadam Tidjane Amadou Tall, islamologue, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Nous ne pouvons que saluer les autorités quand même pour donner cette opportunité à la communauté musulmane de férier la journée du Mauloud. Ça nous montre encore une fois l'engagement de nos autorités vis-à-vis de l'islam. Moment de spiritualité, la célébration du Mauloud mobilise les croyants musulmans sur l'ensemble du territoire national qui magnifie la fête à travers des lectures de saints courants, les prêches, les prières dans les espaces publics, les stades, les mosquées et dans les aouias.
Tous pour un, une seule santé pour tous. C'est sous ce thème qu'est célébrée la Journée mondiale de lutte contre la rage ce 28 septembre 2023. Cette journée a pour but de sensibiliser la population sur les conséquences des morsures de chiens. Chaque année, ce sont des milliers de morts qui sont enregistrées dans le monde et le Mali n'échappe pas au phénomène. À la veille de cette célébration, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, dans son discours, tire la sonnette d'alarme et invite les propriétaires de chiens et autres animaux de compagnie à faire vacciner leur animal. La synthèse du discours du ministre Yakuba Ba avec Awaditma Kamara. Une journée dédiée à la lutte contre la rage, cela peut paraître banal, mais elle permet de sauver des vies à travers la vaccination des chiens et autres animaux de compagnie. La rage est une maladie virale dont l'issue est fatale une fois que les symptômes apparaissent. Le chien est le principal vecteur de la rage humaine au Mali. Yuba Ba, ministre en charge de l'élevage. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé animale, chaque année, la rage tue presque 60 000 personnes, soit un décès toutes les 9 minutes, majoritairement des enfants dans les pays en développement. Dans notre pays, les activités de surveillance épidémiologique menées par la Direction nationale des services vétérinaires et ses démembrements ont permis de déterminer le nombre de rage canine, 33 cas en 2020, 16 en 2021, 33 en 2022 et 8 au premier semestre 2023. La journée est célébrée sous le thème « Tous pour un, une seule santé pour tous ». Pour éradiquer ce mal depuis belle lurette, tous les secteurs impliqués dans la santé publique ont donné la priorité à cette maladie animale. Le coût de la prise en charge est énorme, mais pour amoindrir les frais, le gouvernement a élaboré des stratégies. Yuba Ba, ministre en charge de l'élevage. Chaque année, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination du cheptel, des milliers de chiens sont vaccinés contre la rage. La campagne d'information et de sensibilisation des populations couplée à la vaccination gratuite qui se mènent concomitamment dans toutes les directions régionales des services vétérinaires ont permis d'améliorer nettement les effectifs vaccinés. L'alerte est donc donnée, quelle que soit l'espèce, une fois que les signes de la rage sont apparus, rendez-vous dans un centre de santé et faites vacciner l'animal en question. Atelier national sur l'approche plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Des acteurs et des représentants de l'OMS sont réunis pour projeter la conception et la mise en œuvre des plans dans toutes les régions et le district de Bamako. C'est le secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau qui a présidé l'ouverture des travaux à Guibou Koulibaly pour le reportage. L'approche plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau est le fruit d'une collaboration essentielle entre les autorités de la transition et plusieurs acteurs comme l'OMS et l'UNICEF. L'OMS a apporté son expertise inestimable en matière de normes de sécurité sanitaire de l'eau. Et l'UNICEF a été un partenaire clé en fournissant un soutien financier et logistique essentiel. Diourou Bokoum, secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau. Depuis 2016, le Mali, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS et l'UNICEF, mène des actions en faveur des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau qui constituent les moyens les plus fiables et efficaces pour garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau de boisson pour protéger la santé des populations. Avec donc l'approche plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, le ministère en charge de l'eau joue un rôle central dans la mise en œuvre de ce plan sur le terrain. Diourou Bokoum, secrétaire général du ministère de l'Énergie et de l'Eau. La disponibilité
disponibilité de l'eau potable en quantité suffisante et de qualité sanitaire préservée est l'une des conditions préalables essentielles à la bonne santé, à l'épanouissement social et à l'essor des activités de production économique. La préservation de la qualité sanitaire de l'eau potable est une approche holistique des gestions sanitaires de la production, du stockage et de la distribution de l'eau potable, voire de sa conservation par les ménages. À la fin de l'atelier, les participants vont élaborer une feuille de route stratégique pour l'avenir. Cela comprend des objectifs à court et à long terme, des mesures concrètes à prendre et des indicateurs de succès pour surveiller les progrès. Journée VIP ce mercredi à l'école de guerre du Mali. C'est l'occasion pour les experts militaires d'évaluer les stagiaires et d'apprécier le niveau d'études de la vingtaine de stagiaires en fin de formation. Cette cérémonie a enregistré la présence du commandant de l'école de guerre du Mali, de l'état-major général des armées, des chefs d'état-major et des directeurs de service. Mamari Koné pour le compte rendu. Tradition respectée à l'école de guerre du Mali, cette journée VIP permet d'évaluer les stagiaires à travers un exercice de synthèse. Ainsi, les 24 officiers supérieurs de cette deuxième promotion de l'école s'exercent à la planification et à la conduite des opérations au niveau stratégique et opératif. Et c'est autour de l'opération dénommée IREKU. Colonel Boubacar Tangara, chef du département enseignement opérationnel de l'école de guerre du Mali. C'est une opération qu'on soumet aux auditeurs de l'école de guerre. Et c'est pour les mettre dans une situation d'opération, dans une alliance. On va les soumettre à des réalités du terrain où ils vont agir dans les différentes cellules pour répondre aux impératifs opérationnels. Prennent part à cette journée VIP l'état-major général des armées, les chefs d'état-major et directeurs de service. À la fin de leur formation, les stagiaires sont désormais opérationnels et prêts à assumer de hautes fonctions de commandement dans les états-majors nationaux et internationaux. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Je suis vraiment très impressionné par rapport à ce que j'ai vu. C'est au-delà même de nos attentes. Et effectivement, l'école n'a que pratiquement 2 ans, 3 ans d'existence et le niveau académique que ça soit opérationnel, académique, vraiment c'est vraiment remarquable. Et c'est le lieu vraiment de remercier nos autorités politiques, que cette forte volonté politique qui a permis vraiment de mettre en place cette école dans le cadre de la formation et de l'entraînement de nos forces armées et de sécurité. A noter que l'école de guerre du Mali complète le cursus de formation des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité de notre pays. Actualité internationale. Au Gabon, le Premier ministre a annoncé hier à Libreville le lancement d'un appel à contribution qui démarre la semaine prochaine auprès de toutes les couches sociales de la population en prélude à l'organisation d'un dialogue national qu'il souhaite voir se tenir entre avril et juin. Il appelle à la mobilisation du peuple gabonais, jeunes, seniors, secteur public, privé. Tout le monde a quelque chose à dire, notamment à propos de la refonte du système politique et des institutions, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse. Direction les États-Unis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a accueilli mardi à Washington la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, j'y arrive, pour des entretiens bilatéraux. Selon le département d'État, les États-Unis et l'Afrique du Sud collaborent de manière significative dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de l'économie numérique. Et enfin, en Italie, les autorités veulent renforcer les contrôles sur les mineurs étrangers non accompagnés. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres, l'avait annoncé et mercredi 27 septembre, le gouvernement a adopté un décret qui prévoit notamment l'expulsion des jeunes étrangers s'ils ont menti sur leur âge réel. Il y a actuellement 21 000 mineurs non accompagnés dans le pays, dont 85% sont des garçons. Et la page sport handball, les affiches des demi-finales sont connues. En basketball, les 4 formations qui évolueront en première division sont connues également. Cela à l'issue de la phase interligue qui s'est tenue à Koulikoro.
en foot féminin éliminatoire de la CAN Maroc 2024. Pour le second et dernier tour, les Aigles d'âme affronteront la Guinée, Maroc en 2025, Kenya, Tanzanie et Ouganda en 2027 sont les pays hôtes des prochaines Coupes d'Afrique des nations de football. Le développement de la page sport, c'est avec Abdulkarim Kaba. AS Police Isfas, Centre Omnisport de Missabou et Centre Omnisport de Lafiabou à partir de 15h30 en dame. En homme, à 10h, il y aura Sigui AS Police et à 17h, Isfas sera aux prises avec le Centre Omnisport de Lafiabou. Ces rencontres sont les affiches des demi-finales de la Coupe du Mali de handball. Et la grande finale se jouera demain vendredi. Déjà hier, quelques rencontres de cette Coupe du Mali ont été disputées. Sur le tableau féminin, le Centre Omnisport de Lafiabou COL a été battu 24-28 par l'AS Police. L'USFAS perd 26-32 devant le Centre Omnisport de Missabou. Sur le tableau masculin, le Sigui de Kaya a battu 25-24 le Centre Omnisport de Lafiabou. L'AS Police a perdu 21-24 face à l'USFAS. Basketball à présent, les quatre formations qui évolueront en première division sont connues. Il s'agit du Centre Bintou Dembélé de Koulikoro et l'AS Mandé de la commune 4 en dame. Chez les messieurs, les deux formations sont le CRBT de Tombouctou et l'AS Commune 1. Ces quatre formations ont respectivement été classées première et deuxième dans les deux poules à l'issue du mini-championnat de l'Interligue qui a regroupé tous les champions des différentes ligues régionales. Elles retrouvent l'élite la saison prochaine. Rappelons que cette phase Interligue s'est tenue à Koulikoro. Parlons à présent du football féminin éliminatoire de la CAN Maroc 2024. Pour le second et dernier tour, les Aigles d'âme affronteront la Guinée. Après avoir dominé la République centrafricaine en aller et retour, 7-1 et 3-0, quelques affiches de cette phase sont Sénégal-Égypte, Nigeria-Cap-Vert, Algérie-Burundi, Guinée-Équatoriale-RD Congo, Tanzanie-Togo, Ghana-Namibie et Burkina Faso Afrique du Sud. Toujours en football, Maroc en 2025, Kenya, Tanzanie et Ouganda en 2027 sont les pays hôtes des prochaines Coupes d'Afrique des Nations de football. À présent, la leçon du sport pour terminer. Le volleyball est un sport collectif ayant des caractéristiques particulières. Au volleyball, c'est deux équipes constituées de 6 joueurs sur un terrain rectangulaire séparé par un filet qui s'affrontent. Les joueurs doivent faire en sorte qu'en touchant maximum 3 fois le ballon, que celui-ci touche le sol du camp adverse. Dans une partie de volleyball, le service est très important. La leçon de ce jeudi nous parle justement du service en volleyball. La leçon du sport du jour, signée Isaac Tienou. Le volleyball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de 6 joueurs séparées par un filet qui s'affrontent avec un ballon sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Au cours d'une partie de volleyball, il y a ce qu'on appelle l'engagement au service. Le service est important pour une équipe de volleyball. Emmanuel Kamaté, directeur technique de la Fédération Malienne de volleyball. Le service, c'est le déclenchement d'une séquence de jeu en volley. C'est un jeu offensif qui permet de mettre en difficulté la réception de l'adversaire afin de marquer un point. Le service s'effectue en position d'arrière droit. Tu peux utiliser la largeur du terrain, soit les 9 mètres, après le coup de sifflet de l'arbitre et disposant de 8 secondes pour servir. Une fois la balle lâchée, le serveur doit frapper avec la main ou n'importe quelle autre partie du bras. N'est-ce pas? Il y a plusieurs sortes de services. Nous avons le service bas, le service flottant, le service tennis, le service tennis smashé. Les avantages du service sont multiples s'il est bien exécuté. Si le service a des avantages, il peut avoir également des conséquences. Des conséquences qui peuvent conduire à une défaite de l'équipe. Emmanuel Kamaté, DTN. Donc c'est pour déséquilibrer l'équipe adverse. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Quand vous manquez ou bien ratez un service, ça veut dire que vous perdez le point et vous perdez l'échange. La balle sera à l'adversaire et le point sera comptabilisé chez l'adversaire. C'est pourquoi on a 8 secondes pour se concentrer et renvoyer le ballon en difficulté chez l'adversaire. D'autre part,
le volleyball se révèle efficace pour développer la confiance en soi et améliorer sa concentration. Il s'agit également d'un sport technique, tactique et stratégique, de quoi faire travailler l'esprit et favoriser son sens de l'observation. Chronique judiciaire. L'huissier de justice intervient au début et à la fin de toute procédure judiciaire, de la remise de l'assignation à comparaître à l'exécution des décisions de justice. L'huissier intervient. Le rôle de l'huissier est peu connu. On y a recours, par exemple, que pour forcer un créancier à payer. Le rôle et la mission de l'huissier de justice, c'est le sujet de Bemba Sibi abordé aujourd'hui dans la chronique judiciaire. Suivant. Un huissier de justice est un officier ministériel qui établit des actes, délivre des assignations et procède à l'exécution d'une décision de justice. Il est chargé, seul ou avec le recours de la force publique, de procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires. Maître Youssouf Traoré, clerc d'huissier, commissaire de justice. L'huissier de justice est chargé principalement pour exécuter toutes décisions rendues par les tribunaux et les cours. Mais l'huissier ne peut pas aller en exécution quand même sans une décision de justice qui est assortie d'une formule exécutoire. L'huissier de justice dispose du monopole de certains actes conférés par la loi. C'est ainsi que l'huissier de justice est seul compétent pour signifier et exécuter les décisions rendues par les tribunaux et les cours. L'huissier de justice intervient au début et à la fin de toute procédure judiciaire. La procédure commence par un huissier à travers la citation. C'est appeler les parties à venir à l'audience. Donc après la décision maintenant, après les débats et la décision rendue, c'est l'huissier qui est chargé d'exécuter cette décision aussi. Dans la pratique, les citoyens confondent souvent certaines fonctions de l'huissier avec d'autres professions. C'est le cas avec les agents immobiliers par exemple. Les agents immobiliers, eux, ils sont là pour uniquement la gestion des immeubles ou l'achat et vente des immeubles. Alors qu'un huissier de justice est chargé soit pour exécuter les décisions de justice. On appelle ça la procédure d'injonction de payer. L'huissier peut avoir la décision de justice sans même appeler les parties à la barre. Car on envoie l'huissier pour éviter le contact direct entre les parties. Or, quand on est appelé à la barre, la confrontation est inévitable. Avant de recourir au service d'un huissier, il faut convenir des honoraires car... En principe, l'huissier de justice est payé par le requérant. La personne qui demande, par exemple, l'expulsion d'un locataire, donc c'est le propriétaire de la maison qui doit payer l'huissier. Mais exceptionnellement, l'huissier peut être... payé par l'État. Ça, c'est en matière pénale en réalité. L'huissier de justice dans ses missions n'a pas le droit de saisir les meubles qui sont nécessaires à la vie de la famille, comme un réfrigérateur ou une cuisinière, un instrument de travail nécessaire à une activité professionnelle comme un ordinateur, les biens de l'État ou encore ceux d'une entreprise en faillite. Visez toujours le succès. C'est ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de présenter. Fatoumata Kone, réalisation Bintou Traoré, coordination Ousmane Daou. Si vous voulez réécouter cette édition, tapez www.oartem.ml. L'édition est mise en ligne par Abdoul Aziz Koulibaly. Bonne fête de Mauloud à tous les musulmans du Mali. Grand merci aux auditeurs virtuels de Bakodji Koroni et de Toro Korobogo. Thank you.